Agamemnon, le roi des rois, a convaincu les principaux chefs grecs de le suivre vers Troie. Tous sont de grands rois. Ménélas, son frère, règne sur Sparte. Le vieux Nestor gouverne Pylos. Ajax le Grand est roi de Salamine. Idoménée, roi de Crète. Le jeune Diomède, roi d'Argos. Ulysse, roi d'Ithaque. Et Achille, roi de Phthie. Achille et Ulysse. À eux deux, ils vont devenir le fléau des Troyens. Et pourtant, de tous les rois de Grèce convoqués par Agamemnon, ce sont eux qui désirent le moins faire cette guerre. Ulysse n'a aucune envie de quitter son royaume, Ithaque. Et encore moins sa femme, Pénélope, et son fils, Télémaque, pour aller livrer une guerre au bout du monde. Mais il y a autre chose qui le retient. Une chose qui l'obsède comme un cauchemar. Jadis, un oracle lui a affirmé que le jour où il quitterait Ithaque, il n'y reviendrait que 20 ans plus tard, seul et pauvre. Ulysse a la ferme intention de duper Agamemnon pour ne pas répondre à son appel. Il n'est pas en manque de ressources. Ceux qui le connaissent l'ont surnommé l'homme aux mille ruses. Et c'est bien d'une de ces ruses dont il va se servir pour ne pas faire cette guerre. Ulysse se coiffe d'un bonnet de paysan et se rend sur une plage d'Ithaque. À une charrue, il attelle un âne et un bœuf. Puis, devant son entourage sidéré, il sème du sel à la place du blé et commence à labourer la plage. Pénélope, éplorée, présente Ulysse aux émissaires envoyés par Agamemnon pour l'escorter à la guerre. Regardez-le. Regardez ce qu'est devenu le fier Ulysse. Un fou, un pauvre fou. Les émissaires d'Agamemnon compatissent. En effet, comment le roi d'Ithaque pourrait-il servir à la tête de ses hommes, lui qui a perdu la raison? Ils sont sur le point de reprendre la mer, dépités, lorsque l'un d'entre eux les arrête. Il connaît la réputation du roi d'Ithaque. Quelque chose lui dit qu'il est en train de se jouer d'eux. Alors, d'un seul coup, il arrache le jeune Télémaque des bras de sa mère, dégaine son épée, se plante devant la charrue d'Ulysse et fait mine d'égorger l'enfant avant de le jeter sous le soc du laboureur. Ulysse stoppe tout net son attelage et se précipite au secours de son fils. Il est démasqué. Sa ruse est vantée. Ulysse n'a d'autre choix que de rallier l'armée d'Agamemnon. Le voilà donc à Mycène, avec ses hommes et auprès des autres rois, prêt à embarquer. Mais il manque encore un combattant, Achille. Achille. On peine à croire que ce jeune homme courageux, dont on dit partout que la force n'a pas d'égal sur cette terre, souhaite se dérober à la guerre voulue par Agamemnon. Quand on annonce à Agamemnon
qu'Achille ne se joindra pas aux Grecs, le roi des rois hausse les épaules. Il n'a cure de cet homme qu'il déteste. C'est un guerrier indiscipliné qui méprise depuis toujours son autorité, ne manque jamais une occasion de lui rappeler publiquement sa cupidité et sa passion du pouvoir. De tous les rois de Grèce, Achille est celui qu'Agamemnon hait le plus. Mais il le faut aux côtés des Grecs, proteste le vieux Nestor. Achille est béni des dieux. Il est le plus grand de tous les guerriers. Sans lui, la victoire est impossible. À contre-cœur, Agamemnon envoie Ulysse à Phthie chercher Achille et son armée, les redoutables Myrmidons. Thétis, la mère d'Achille. Déesse de l'ancien temps. Une nymphe, très exactement, la fille du vieux de l'abîme. Aimée par Zeus, jadis, qui lui conserve toute sa tendresse. Et mariée, à la demande des dieux, à Pélée, le roi de Phthie, un mortel réputé pour sa sagesse et sa piété, qui fut autrefois l'un des marins partis à la conquête de la mythique Toison d'or. Thétis accueille Ulysse avec inquiétude, car elle aussi connaît les ruses du roi d'Ithaque. Et surtout, elle a en mémoire cette terrible prédiction qu'elle n'a jamais révélée à personne, pas même à son fils. Si Achille part pour Troie, il connaîtra la gloire. Son nom sera célébré jusqu'à la fin des temps. Mais la mort le fauchera dans l'éclat de sa jeunesse. S'il reste chez lui, en Grèce, il vivra longtemps, heureux, entouré et aimé de tous les siens. Mais lorsque les enfants de ses enfants auront disparu, tout le monde aura oublié son nom. Heureusement pour Thétis, à tous les arguments qu'Ulysse lui soumet, Achille répond par un non catégorique. Non, il n'est pas question d'aller se battre à Troie pour sauver l'honneur d'un mari cocu ou pour agrandir l'empire d'un roi qu'il méprise. Soulagé, Thétis prend son fils dans ses bras. Et tout à sa joie de le voir rester auprès d'elle, elle lui révèle le sort funeste auquel il a échappé. Achille est interloqué. Ainsi, il a donc le choix, mourir jeune, mais en héros, ou bien vieillir dans le confort et le bonheur, mais s'éteindre et rester anonyme parmi les anonymes, promis à l'oubli. Il réfléchit longuement. Puis il se tourne vers Ulysse. Sa décision est prise. Troie, la cité du roi Priam. Hector désigne son frère, Paris. Tout ce qui arrive à Troie est de sa faute, clame-t-il. Ses noces odieuses sont cause du grand malheur qui guette la cité. Hector vient de l'apprendre. Les Grecs ont mis sur pied la plus vaste armée que le monde ait connue. Ils sont en route. Ils s'apprêtent à débarquer sur les rivages de Troie. Hector, fils aîné du roi Priam.
le rempart de Troie, le bouclier de la cité. Adulé par le peuple, il en reçoit des honneurs presque divins. Ses amis, comme ses ennemis, reconnaissent en lui un guerrier à la vaillance sans pareille. Mais aux remontrances de son frère, Paris oppose toujours les mêmes réponses. Troie est invincible, protégée par les dieux, et jamais la lance grecque ne pourra renverser la cité de Priam. Quant à lui, il est amoureux d'Hélène. Il l'aime éperdument, et elle aussi. Rien ni personne ne les séparera. Hector fulmine. Son frère ne comprend donc rien à ce qui se joue. L'armée grecque ne vient pas seulement envahir Troie. Elle vient dévaster la ville qui depuis toujours résiste aux rêves d'Agamemnon. Un prince de Troie n'a pas le droit de se comporter avec une telle assurance, mêlée à tant de désinvolture. Lui-même est éperdument amoureux de son épouse, Andromaque. Mais il a toujours placé le salut de sa cité au-dessus de son bonheur personnel. Le vieux roi Priam est pris de vertige. Hécube, son épouse, se lève. Elle marche vers ses fils. Elle saisit la main d'Hector, puis celle de Paris, et les force à se joindre. Les deux frères y consentent sans que ni l'un ni l'autre n'approuve. Mais soudain, le visage d'Hécube se fige. Dans l'ombre, une silhouette surgit. Drapé de noir, c'est Cassandre. Cassandre, fille d'Hécube et de Priam. À peine Cassandre s'est-elle avancée, que sa mère lui fait signe de se taire. Elle sait trop bien que tous les mots que cet enfant prononce sont porteurs de désastre et de mort. Depuis que Paris est revenu à Troie au bras d'Hélène, Cassandre ne cesse de répéter que cette union illégitime causera la perte de la cité. Cassandre possède, dit-elle, l'art de prédire l'avenir. Ce n'est pas faux. Quand il la vit, Apollon tomba passionnément amoureux de Cassandre. Il lui promit, si elle consentait à s'offrir à lui, de lui enseigner tous les dons secrets que seules les grandes prêtresses et les pythies qui savent deviner les volontés des dieux sont autorisées à connaître. Cassandre accepta. Et Apollon fit d'elle la plus experte dans l'art de prédire l'avenir. Mais aussi de formuler les oracles et de les interpréter. Mais une fois qu'elle fut instruite dans cet art, Cassandre n'accorda rien d'autre aux dieux qu'un simple baiser, du bout des lèvres. Puis elle se moqua de sa naïveté et lui révéla qu'elle avait fait vœu de toujours demeurer vierge et vénérait depuis sa tendre enfance Hécate, la déesse de la virginité. Apollon connut à la fois le désespoir et la douleur. Pour se venger de la trahison de la belle Cassandre, il lui cracha dans la bouche. Cassandre aurait dû se méfier, car d'un simple crachat,
Le dieu venait de lui retirer non pas le don de prophétie qu'il lui avait offert, mais le don de la persuasion. Ainsi, Cassandre était-elle désormais condamnée à prédire l'avenir, mais à n'être jamais crue par personne. La flotte grecque est au grand complet. Elle s'apprête à lever l'ancre. Des milliers de navires sont prêts à affronter les flots. La brise gonfle les voiles. C'est l'heure du départ. Mais soudain, comme par magie, les vents retombent. Plus le moindre souffle. Agamemnon redoute le pire. Ce calme n'a rien de naturel. Il faut consulter les dieux, au plus vite. Il est, parmi les Grecs, un devin qui sait interpréter les volontés des dieux. Calchas. Pour lui, ni le futur, ni le présent, ni le passé n'ont de secret. Calchas observe longuement le vol des oiseaux. Et ce qu'il annonce fait trembler tous les rois grecs. Une déesse s'oppose à leur départ. Artémis, fille de Zeus et sœur jumelle d'Apollon. Agamemnon s'emporte. Qui a osé offenser Artémis, la déesse de la chasse? C'est toi, répond Calchas. Et le devin rappelle à Agamemnon ce jour où, parti chasser, il avait croisé une biche magnifique. Longtemps, il l'avait pistée avant de lui décocher une flèche mortelle. Et de s'écrier avec l'orgueil du vainqueur, Artémis elle-même n'aurait su mieux faire. Celle que l'on surnomme la souveraine des animaux reçut cette vantardise comme un affront et comme une injure. Aujourd'hui, Artémis exige un acte de repentance. Cette biche était sa préférée. Agamemnon devra donc sacrifier sa préférée. Sa fille, Iphigénie. Le roi des rois est effondré. Jamais il n'y consentira. C'est l'unique condition pour que les vents soient avec les Grecs, réplique Calchas. Agamemnon est dévasté. Son frère, Ménélas, entre dans une colère noire. Il brûle d'impatience de récupérer Hélène, sa femme. Et il est soutenu par l'entière coalition des rois grecs, prêts pour la guerre. Que vaut une vie comparée à l'honneur d'un pays? Agamemnon refuse de céder. Le sacrifice qu'on veut lui imposer est inhumain. Il prie Zeus et tous les dieux. En vain. Il sait qu'on ne peut se dérober aux ordres de la déesse Artémis. Tous les Grecs connaissent son tempérament farouche et fier, cruel aussi. Depuis toujours, la déesse de la chasse se montre inflexible lorsqu'elle ou l'une de ses suivantes se sentent offensées. Et nombreux furent les hommes qu'elle décida de punir par le passé. Tous, ici, au moment de prendre la mer, se souviennent d'Actéon. Un des plus grands chasseurs de tous les temps.
Mais le jour où Actéon surprit la déesse alors qu'elle se baignait nue dans un torrent, cette dernière se vengea de la plus effroyable manière. Elle transforma le malheureux Actéon en cerf. Les chiens du chasseur ne reconnurent pas leur maître et le dévorèrent vivant. Artémis assista à la scène sans intervenir. Agamemnon le sait, il est impossible de fléchir la déesse offensée. Alors, le roi des rois refoule ses larmes, maîtrise le tremblement de ses mains et finit par accepter la décision des dieux. Ulysse, atterré par le sacrifice qu'un père s'apprête à commettre, suggère à Agamemnon que l'on fasse croire à Iphigénie que de sa soumission au mariage dépend le sort des Grecs. Cela adoucira son destin. Il suffit de prétendre qu'Achille a posé une condition pour suivre l'armée grecque, épouser Iphigénie. La jeune fille consent et n'oppose aucune résistance. Elle obéira aux vœux de son père et épousera Achille si cela permet à l'armée des Grecs de compter dans ses rangs le plus glorieux des guerriers. Le mariage aura donc lieu. Et comme l'exige la coutume, il doit débuter par un sacrifice. Iphigénie, confiante, marche vers l'autel, guidée par Agamemnon. Le grand prêtre l'attend, impassible. Iphigénie croise alors le regard de son père. Et dans ce regard, elle peut lire la terreur et l'effroi. Le grand prêtre se penche sur la jeune fille. Le poignard s'abat. Le vent se lève. Là-haut, sur l'Olympe, les dieux ont tout vu. Désormais, la guerre est inévitable. Et chacun a choisi son camp. Apollon a fondé Troie. Il en est le protecteur. Il saisit son arc et son carquois et il cingle vers la cité de Priam. Artémis a tenu son serment et libéré les vents qui portent l'armée grecque, mais en toute chose, elle soutient son frère. Elle prend le parti d'Apollon et des Troyens. Aphrodite lui emboîte le pas. Elle entend protéger l'idylle entre Hélène et Paris, dont elle a assuré le succès. Héra et Athéna, elles, ont déjà pris place aux côtés d'Agamemnon et des rois grecs. Poséidon et Arès hésitent encore. Sans doute, à leur habitude, ils oscilleront d'un camp à l'autre. Le vent s'est levé. L'armée des Grecs s'élance vers Troie.